Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Golden Cycling. Aujourd'hui, on se retrouve à Petit Pérou pour la course des Amis du vélo de Chauvel. Une course qui a été organisée par le club de Chauvel. Le départ vient d'être donné, un départ comme d'habitude très mouvementé. Déjà, c'est déjà parti très vite et tout le monde est en file indienne dès le départ. Nous, en queue de peloton, on n'est pas trop inquiété. J'étais un peu serein dès le départ de la course. Je me suis dit que je vais faire ma course comme d'habitude, mais j'ai un gros problème avec mon vélo. Je n'arrive pas à m'y faire avec le scrum. Le scrum, j'arrive pas du tout. C'est pas les mêmes sensations qu'un Shimano. Là, on voit qu'à la relance, j'ai déjà du mal à la relance. Chaque relance, je perds 3-4 mètres. Là, on voit que c'est parti très vite. Déjà, j'ai déjà perdu 10 mètres. Je reviens au train. Les autres sont derrière, tranquilles. Là, je tente de récupérer un peu sur la gauche. On voit que ça remonte, on voit que la vie qui remonte aussi sur la gauche. On a Carlos en queue de peloton. Là, nous sommes partis pour le premier tour. Emmanuel Fernandez à l'arrière. On voit que ça accélère vraiment dans cette portion. C'est là, on a du vent de face. Ça fait très, 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 très mal à ce niveau. Là, ça coupe un peu. Je tente de me replacer comme je peux. On voit Carlos du Vétiver qui remonte sur la gauche. On va voir que les hommes forts contentent de monter. On voit Carlos qui vient de monter. Et là, Lachman qui l'a vu. Lachman qui sort aussi de suite pour essayer de créer l'échappée. Là, ça, les autres suivent. Là, on a du mal. Moi, je suis assis. J'ai du mal à me mettre debout. C'est le plus gros défaut que j'ai sur le vélo. J'ai vraiment énormément de mal à relancer debout. Ce qui fait que je perds du temps. Là, ça descend très vite. On voit que la course est partie très rapidement. La route n'est pas vraiment dégagée. Nous allons tourner au rond-point de la GUP à Boynton Beach. On voit que ça descend très rapidement, très vite. Là, je tente de grappiller quelques places parce que c'est premier tour très mouvementé comme d'habitude. Premier tour, là, on a un peu de mal à passer. Il faut faire très attention. La route est mouillée, il y a des gravillons. La relance encore très difficile à ce niveau. Ça accélère. Là, ça relance. Je perds 4-5 mètres de suite. À chaque tour, j'ai du mal avec la relance. Là, je tente de... Je sais que je vais revenir parce que ça va se calmer devant. Mais à chaque relance que tu perds 3-4 mètres, à un certain moment, tu n'auras plus de jus. C'est des trucs à travailler. Là, je suis sur la droite. Je pensais m'abriter sur la droite. Mais effectivement, quand je me suis placé, j'ai constaté de suite que le vent venait sur la droite. Tu dis que bon, à la prochaine tour, tu passeras pas de ce côté-ci. Là, on a mon coéquipier, deux coéquipiers devant avec Gustave juste devant. On a Daniel, mon coéquipier, qui avait les chambres aujourd'hui. Daniel qui accélère, qui fait le trou, qui fait souffrir tout le monde. Daniel et moi qui accélère. Là, je tente de revenir. Je me suis dit que si ça coupe, il faut que je fasse partie du... Vaut mieux souffrir devant. On va Johnny Jean-Pierre, le Dossard 801, mon coéquipier. On a Gustave aussi, de Cool Sport, qui tente d'aller. Là, nous avons les deux coureurs qui sont sortis. Daniel Lérimont avec le coureur de Bissot. On voit Gigalas qui remonte. On voit Eric Trois qui remonte en avant, sur la gauche. Là, pour le moment, je suis bien placé. Je fais partie des 10 premiers coureurs. Là, ça va. Là, ça va, ça va. Ça peut aller. On voit la Vendier qui remonte sur la gauche aussi, coureur du Vétiver, la Vendier. Là, ça me remonte. Je perds des places. Nous allons tourner au rond-point. Là, nous avons Gradel qui tente de sortir, qui accélère. De suite, ça prend la roue. Ça relance très, très, très fort à ce niveau. Faut relancer.
Là, j'ai énormément de mal à relancer. Là, je perds du temps. On voit Olivier Kanga qui me dépasse. On voit Land qui me dépasse sous la droite. La Vendée qui me dépasse sous la gauche. Trop de temps pour réagir. J'ai du mal avec les relances. Là, ça se calme un peu. J'arrive à revenir dans le paquet. On a suivi derrière. Là, juste devant, on a mon frère Freddy, mon coéquipier. Là, ça roule très vite. Là, j'essaie de m'accrocher. Ça roule très vite. J'ai déjà perdu 2 mètres. Je reviens. Là, j'ai du mal à faire la jonction dès le départ. Là, ça se calme. On voit Joël Gustave en queue de peloton. Joël Gustave qui est en queue de peloton juste derrière. Là, ça descend très vite vers le rond-point de l'Agup. Ça descend très 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 vite. La route est un peu a été libérée. La circulation qui s'est faite. Là, j'ai qu'une chose en tête, c'est de récupérer. On voit qu'il y a déjà 4 hommes de tête qui ont quitté le peloton. Je sais qu'il y avait Reynald Vendex, il y a Carlos du Vétiver, il y a Lachman, il y avait aussi Gradel. Toujours très difficile pour tourner là avec la route est mouillée. Il y a des gravillons en plus. Là, la relance est encore très difficile pour moi. Là, je me débrouille pas mal. Je suis à peu près bien placé pour garder le contact avec le groupe. Là, ça revient. Ça se calme un peu. Encore ça se calme. Je tente de me replacer, de grappiller des places. Là, j'ai un peu hésité à me replacer. J'ai vu mon frère qui montait sur la gauche, dis-je. Et j'ai hésité, je voulais faire remonter. Là, je me dis, bon, il n'y a pas le feu. Tout le monde est dans le paquet. Là, ça accélère encore sur les pulsions de Daniel Lérémont encore à nouveau. Daniel qui avait les jambes, mon coéquipier. Il était en super forme aujourd'hui. Il avait les jambes. Chaque fois qu'il attaquait à ce niveau, tout le monde avait mal, tout le monde souffrait. Trou qui se fait devant moi. Je reviens devant moi. On a Daniel Lémon. Il était vraiment chaud aujourd'hui. Il avait les jambes, il avait la force. Là, ça accélère encore. Je suis à la roue. Ça accélère très fort. Là, je vais essayer de me replacer pour passer au rond-point. On voit Joël Gustave qui remonte. Nous allons tourner sur la gauche pour reprendre la relance. Là, on voit que ça relance encore très fort. Chaque relance, je perds des mètres. J'ai perdu 4 mètres avant de revenir. Nous allons vers le rond-point pour boucler le troisième tour. L'endroit qui a été le plus difficile pour moi sur ce circuit, c'est tourner au rond-point et relancer. Là, ça tourne. Faire très attention. Grosse relance encore. Ça relance très 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 fort. Là, je m'accroche. J'ai négocié cette relance mieux que les autres. Là, je m'accroche, ça roule très 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 vite. En général, ça coupe avant la petite montée. Ça ralentit un petit peu. Là, je sais que ça ralentit. Je vais me replacer. Tout le monde essaie de récupérer. Tout le monde tente de récupérer. Ça monte avec un bon petit tempo. Là, je tente de m'accrocher encore. Récupérer. Manger un peu. Boire un peu. Là, nous avons déjà parcouru plus de 30 minutes de course. Là, on voit que ça accélère devant. Tout le monde est infiniment. On a vu les 4 hommes de tête passer sur la gauche de l'autre côté de la route. Ça tente de revenir sur les 4 hommes de tête. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin parce que on voit les hommes de tête, on sait qu'on peut revenir. Et nous avons le deuxième rideau, si je ne me trompe pas, Emmanuel Fernandez qui est parti seul pour tenter de revenir sur le groupe de tête. Là, ça sort encore à nouveau. Kadmid qui a failli toucher l'autre collègue, Kadmid Joël. Là, ça accélère. Je perds 2,50 m. Mais je tiens bon, je reviens, ça se calme un peu. Nous descendons sur le circuit encore au rond-point. Nous redescendons vers le rond-point pour tourner sur la gauche et remonter. Nous allons, moto ouvreuse, rencontrer les 4 hommes de tête encore à mi-parcours.
ils ont pas mal d'avance les quatre hommes de tête. Et à partir de ce moment, la course ça va changer parce que ils vont décider de dynamiter la course, de revenir sur les hommes de tête. Là, ça va rouler sans arrêt jusqu'à ce que ça revienne sur les hommes de tête. Là, on voit Emmanuel Fernandez qui essaie de revenir tout seul sur les hommes de tête, chose qui sera très très difficile pour lui. Mais il a tenu pas mal de tours comme ça. Là, on se relance encore à nouveau. Là, je tente de m'accrocher. Ça fait très 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 mal, mais je m'accroche quand même. Je sais que je ne suis pas le seul à souffrir. Ça fait très 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 mal. La chance qu'on a, c'est que arrivé à mi-circuit, ça se calme tout le temps, ça se regarde un peu et ça nous permet d'avoir le temps revenir dans le paquet et de se replacer. Là, j'ai changé d'avis, j'allais sur la droite, je me suis dit non, il y a trop de vent, je me remets sur la gauche. Nous avons le dossard 815 et l'avant-dier du vétiver qui sont au marquage pour des points de meilleur coureur de la saison. Freddy Land avec Romain Lavandier qui sont condamnés à se marquer pour le classement à points meilleur coureur de la saison. Là, on voit que ça accélère. Daniel qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à faire la jonction. Moi, je pensais à ce moment que tout était acquis, qu'on est dans le paquet. Et là, subitement, je vais voir qu'il va arrêter de pédaler, il laisse le trou et il me fait signe qu'il ne pourra pas aller. Et là, Guy Gallas qui voit ça, qui fait l'effort de suite. Moi, je fais l'effort, mais les jambes ne tournent plus. Les jambes ne tournent plus. Là, je pensais jusqu'à maintenant que ça n'allait pas accélérer. Là, ça accélère. Je donne tout ce que j'ai pour revenir dans le paquet, mais c'est pas facile. Je décide de me relâcher un peu parce que je me suis dit que bon là je suis dans le paquet, il n'y a pas de souci, mais j'avais pas pensé à la relance. Je me suis dit que je suis dans le paquet, j'avais pas pensé à la relance. Je constate que ça relance, je donne tout pour essayer d'accrocher le groupe, mais il n'y a plus de jambes, plus de jambes, plus de force. J'arrive pas à dépasser les 75 tours médailles minutes. Les jambes sont grosses. Impossible pour moi de prendre de la vitesse. Impossible pour moi de relancer le vélo. Alors je décide d'aller au train. Je me suis dit qu'à ce niveau, ça va ralentir un peu. Ça me permettra de revenir. Je continue. Et non, j'ai pas pu rentrer et j'ai bâché la course. Là, nous avons les hommes de y arrivent pour la victoire. Nous avons la moto rouvreuse. Nous avons le sprint qui est lancé. C'est Carlos du Vetiver qui fait premier, Lachman deuxième. Nous avons en troisième position Gradel qui n'est pas trop content de sa prestation, mais c'est une bonne place pour lui. Il revient très bien. Et en quatrième place, et le premier en catégorie B, nous avons Reynald Vindex qui faisait partie de l'échappée matinale. Nous avons le reste du peloton qui passe de l'autre côté, qui va boucler leur dernier tour pour l'arrivée. Et là, nous avons un sprint entre deux coureurs, entre Rudy Clavier et Eric Thoit. C'est Rudy Clavier qui fait 5, Eric Thoit qui fait 6. Et nous avons en deuxième catégorie, Suré qui fait 2. En B, là, nous avons le sprint intermédiaire des quatre coureurs, trois coureurs échappés. Il y a Joël Cadmi, il y a Gustave. Et là, nous avons Joël Gustave qui fait 3 en 2. Kanga qui fait 4 en 2. Kanga qui fait 4 en 2. Les deux frères Galas qui fait une très belle course. Là, nous avons le sprint du peloton qui sera remporté par Emmanuel Fernandez. Sur ce, nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine au moule. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre prochaine publication.